Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour ce 33e épisode de l'aventure mystique légendaire. Alors, vous vous souvenez la dernière fois, on avait commencé à investir ce magnifique donjon, ce magnifique château, et aujourd'hui, nous allons passer aux égouts qui sont juste en dessous. On avait déjà entamé un petit peu la dernière fois, mais c'était un petit peu le bordel. On va retourner cette fois-ci. Voilà, donc mon armure est nickel. D'ailleurs, vous le voyez, hein, tout protection 1, bien évidemment, hein, puisque je l'avais refaite, j'avais tout mis là. Donc, voilà, on est parti. Alors, j'avais commencé à assécher ce puits. Et j'avais fait une entrée, voilà, avec des monstres de partout, qui n'ont plus beaucoup de vie d'ailleurs. Et on va y aller maintenant. Voilà, il n'y a plus. Alors, il y a du monde, hein, c'est normal. Sachant que les squelettes sont sacrément problématiques parce que justement. Alors, toi, lâche-moi. Parce que justement, je ne peux pas les atteindre. À cause de. Oula. Il y a beaucoup de people là, voilà. Alors maintenant qu'il n'y a plus le squelette, ça va aller beaucoup mieux. Ça spawnait à mort là. D'où ça sort là? What the fuck? Bon, non, je l'ai là, attends, moi je m'en fous, hein. Pas de soucis. Oh, dans un squelette, ça me plaît moins là. Non mais d'où ils sortent tous là? C'est impressionnant là. Ça a pop à mort pendant que j'étais en haut, quoi. Voilà, ça va mieux. Alors. Voilà, je mange bien évidemment. Voilà, va attaquer ton pote. Voilà, bon. Alors je sais pas combien de temps va prendre l'épisode parce que vu le bordel que c'est, je me dis que ça va encore être un cauchemar. Faudrait virer l'eau en fait, hein. Faudrait quelque chose pour enlever l'eau. Parce que j'ai encore clamsé, sans déconner. Je sais pas si je vais réussir, hein. Là c'est mal barré. Alors on va essayer de prendre une nouvelle méthode qui est de poser des blocs par terre pour pouvoir. Je rêve là où j'ai vu qu'il y avait quelque chose ici, hein. Ok. Ok. Bon, on va faire le tour. Ah, coucou mademoiselle. Donc il y a bien un spawner de l'autre côté. J'aurais pu le casser par contre. Non mais d'où ça sort là? Mais faut arrêter les conneries. Non mais vous êtes combien là encore là? Alors mon armure va y passer, hein, c'est pas grave, c'est une protection, hein, je l'avais fait pour l'occasion. Juste. Mais ils sont combien? Mais. What the fuck? Donc là c'est vraiment le cauchemar. Alors toi le squelette absolument. Voilà. Les autres c'est moins gênant. Je vais pas péter les spawners parce que je me dis que ça va rapporter de l'XP. What the fuck? Non, non, non. Non, non, arrête, 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 arrête tes conneries. Faut vraiment qu'en fait je tue les squelettes parce que c'est eux qui sont problématiques. Marcher dans l'eau, ça me pose pas de problème, moi. Voilà, alors ce que je vais faire, hein, on finit les conneries. Déjà, commencer par mettre des blocs ici. On va faire ça tout du long, hein. Comme ça on pourra marcher sur du dur. Sans forcément morfler trop. Voilà. Ça, on est tranquille, voilà, je suis pas dans l'eau, je peux avancer. Par contre, ne te mets pas devant, s'il te plaît. Voilà. Ma vie va régène, hein, vous en faites pas. Elle met beaucoup de temps, mais elle va régène. Alors, il faudrait d'autres blocs, du coup, j'ai pas d'autres blocs. Oh là là. Coquinou! Donc là, on va essayer de d'abord éclairer à gauche. Parce que là, il spawn à travers le mur, en fait, j'ai l'impression. Je vais vite rentrer avant que ça devienne catastrophique. Alors, par contre, tout ce qui est loot, hein, hausse et tout ça, je suis assez tranquille. Voilà. Parce que du coup, ça pop à mort. Mon épée commence déjà à prendre cher. Tais-toi, toi. Donc là, il y a des. C'est bizarre, il y a des torches de redstone. Je pense que c'est juste en fait pour éclairer sans. Voilà. On va faire ça comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, ça se poursuit là. Ok, d'accord. Oh, non, non, doucement, les gars, doucement. S'il vous plaît. Voilà. Le temps que j'en prenne mon épée. Je vais pas mourir, hein, ça c'est sûr. Enfin, j'espère. Parce que c'est mal barré. C'est très mal barré. Je ressors un coup, hein, parce que là c'est tellement le cauchemar, c'est incroyable la difficulté du truc, quoi. What the fuck? Bon, alors, faisons un point sur l'armure. L'armure a déjà pris très très cher, je suis dégoûté. Et là on me vise encore. J'aurais bien envie de dormir juste dans le lit pour setter mon spawn, mais après c'est un coup à perdre le lieu en fait. Bon après j'ai les coordonnées, mais bon pour le coup. Juste pour l'occasion, après il faudrait pas que j'oublie de redormir dans mon lit et à tous les coups j'ai oublié. Donc là, vu que j'ai éclairé, normalement ça ne peut plus spawner. Au cas où j'ai besoin de bouffe, il y a ce qu'il faut. Sans problème. Faut vraiment que je. Alors j'avais pensé aussi à éclairer avec de la lave pour générer justement de la cobble. Mais ça me semble un petit peu hasardeux, on va dire.
Parce que c'est un coup à se cramer, c'est un coup à pas récupérer le seau de lave, il faut trouver de la lave. Il doit y en avoir quelque part, hein, mais pour le coup. Voili, voilou. Il faudrait vraiment que je récupère des blocs en fait. Il n'y a pas de blocs dans le coin. Ou alors je démonte une structure, comme par exemple là-haut, je pourrais faire ça, pour récupérer des blocs. Pendant que justement ma vie régène vraiment au maximum, comme ça je serai tranquille. Alors on va démonter cette infâme structure. Ça je vais récupérer aussi. Tant qu'à faire. Enfin l'infâme structure, hein, c'est une église des villages normalement. Il faut vraiment des blocs supplémentaires, donc on va commencer à la péter. C'est vrai que j'avais pas prévu du tout de faire ça en mettant autant de temps, hein, ce donjon-là. Mais pour le coup, on est un petit peu obligé. Pareil pour les torches, hein, je vais avoir des soucis. Hein. Évidemment, je vais éclairer, mais en même temps, les spawners, s'ils sont derrière, ça va pas les éclairer, donc ils vont pas se désactiver. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça risque de prendre des plombes. Bon, j'en ai 45, ça fait encore un petit peu plus. Hop, encore un petit peu de bouffe pour se régénérer. Alors du coup, ça a dû respawner en bas, un truc de fou. C'est vraiment les squelettes hein, qui m'embêtent. Hein. Parce que les autres... Il y a encore un squelette là. Voilà, encore un autre là. Le squelette en premier, toujours. Donc le level up, hein, on m'a dit dans les commentaires que le level up, bah, je pose toujours la question pour savoir qui c'est, mais personne ne répond. Oui, alors je te remercie, la personne qui a dit ça, je l'ai vu, ce qu'on va faire. Voilà, là on est tranquille. On va commencer par le côté droite. Je sais pas si c'est judicieux, mais on va le faire. Comme ça, voilà, moins de spawn. Et trop de spawn tue le spawn, comme on dit. Il y a un mouton. Alors ça c'est fort, il y a un mouton là-dedans. Voilà, vous disparaissez. Bon, déjà à gauche, ça a l'air d'être fermé, donc là je suis satisfait. Je vais évidemment. Voilà. Alors, les flammes, ça sert à rien parce qu'il y a de l'eau en dessous. Ça, c'est très con. Mince! J'en ai marre, j'en ai marre. Puis la bouffe qui tient pas. Heureusement que j'ai une épée en diams. Faut vraiment que j'éclaire en face. Enfin, je ferme en face. Comme ça, je serai tranquille. Donc ici. Voilà. Alors toi, si tu me laissais le petit carré qui manque. Voilà, il y a des moutons qui spawnent, ça c'est pas mal. Voilà. Donc là, voilà. Voilà, merci les gars, tuer les zombies. Voilà, j'arrive. Enfin, j'ai tenté d'arriver, c'est pas gagné. Ouais, par contre les gars, là, faut arrêter les conneries. Parce que là, je suis capable de mourir. Non, arrêtez. Voilà, merci. Je reviens un petit peu en arrière. Toujours faire des bacs, hein, pour éviter ce genre de problème. Je remets les torches que j'ai perdues ici. Voilà, c'est bien. Ben, voilà, sur le dur, c'est très bien les mecs. Alors les moutons aussi, hein, ils m'ont donné de la bouffe en même temps, c'est pas plus mal. Alors, on était à ce virage-là. Je vais y arriver, ça c'est sûr, hein, sinon j'en ferai encore une armure. En même temps, mon niveau de level, mon level augmente, donc pourquoi pas. Voilà, je m'éloigne un petit peu, je les laisse se tirer dessus. Parce que là, du coup, ils se tirent dessus, c'est cool. Ça me fait toujours 100 moins à tuer. Voilà. Visiblement, ils sont énervés les uns contre les autres. Je profite de ça pour... Déjà, tu es celui qui m'embête. Il y a un spawner là. J'ai vu un spawner. Yes, il y a un spawner ici. Bon, toi, tais-toi, mais tais-toi! Ça spawner à quoi? Non, faut vraiment que je termine ça. Faut vraiment que j'éclaire ça avant que ça spawn. Voilà. Un zombie. Bon, zombie, c'est gentil, hein. On va changer, comme d'habitude, la lumière ici. Comme ça éclaire un petit peu. Ce que je vais faire avant. Alors, pourquoi il y a des. Ah mais c'est parce que j'ai bouché ici, c'est ça? J'ai bouché. Faudrait que je pense à rouvrir. On va faire ça comme ça. Ce magnifique labyrinthe, je suis sûr qu'il s'étend sur des kilomètres, donc je vais passer des plombes, mais c'est pas grave. Donc là, pour être sûr que ça ne spawn pas, je vais continuer à mettre des torches. Des torches, je disais. Il y a un coffre derrière là. Wow! Alors, faut que je fasse mon chemin. Évidemment, je récupère tous les blocs que je peux, hein, vu que j'en ai pas beaucoup. Et puis on va y aller. Ici. Voilà. On est reparti. J'ai manqué de blocs, mais c'est pas grave. Hein. Pas de problème. Mais lâche-moi! Oh. Alors pourquoi il y a un petit ponton là de roche et c'est généré aléatoirement aussi ça? Oh! Coucou. Moi je prends mon temps. Oh là, il y a des grilles là. Il y a des grilles, il y a quelque chose. Là je voulais terminer ça aussi. Avant que j'oublie. Voilà. Toujours une lumière en plus. Voilà.
Donc les squelettes, allez-y. Voilà, moi je reprends un petit coup de bouffe en attendant. Incroyable, le temps que je vais mettre à faire ce donjon là. Voilà, je suis bien déclaré deux fois parce que. Voilà, tirez-vous dessus. Voilà. L'XP augmente à une vitesse. Mon armure prend aussi à une vitesse. D'où l'intérêt aussi d'avoir des minerais en haut. Hein. C'était pour te dire ça. Attention, tu vas morfler. Donc là, il y a quelque chose. Bon, c'est juste des égouts. Évidemment, je vais éclairer ici. C'est pas du spawn naturel, hein. Ça c'est clair, je vous le garantis. Il y en a beaucoup trop. Non, mais non, ça va reprendre encore, voilà. Ça c'est affreux, hein. Les squelettes dans la flotte, mais what? Oh, ça me gonfle et ça me pète mon armure, mais quelque chose de bien. Il y avait quelque chose ici, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah d'accord, ok. Mais c'est caché. Hein. La level up comme d'habitude. Ah oui, c'est peut-être ce que j'ai vu tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'avais bouché, c'est normal. Normal ça. Donc, non, toi, tu dégages, s'il te plaît. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais tais-toi. Ce que j'ai envie de mettre, en fait, c'est des torches de comme ça, là. Pour dire, attention, il y a quelque chose derrière. Ça, je saurais. Ouais, c'est comme ici, par exemple. Et si on fait ça, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Oh, coucou. Le mec, il me fait face, quoi. Il me dit rien. Il me regarde pendant une demi-seconde. What? Ça suffit. J'en ai marre des. J'en ai vraiment marre, là, des squelettes. Vraiment, hein, je vous assure, c'est affreux. Le gars qui a eu l'idée de ce donjon est vraiment un enfoiré. Voilà. Je le dis. Oula. Lui, il est purement équipé, par contre, là. Bah, tirez-vous dessus. Bah, ça m'arrange. Parce que là, il y a un donjon de squelettes qui doit être dans le coin. Parce que moi, j'ai pas assez de vie. Heureusement que j'ai mon épée en diams. Qui, elle, est longue. Et encore, il y a déjà la moitié qui est bouffée. Il y a un truc, là. Voilà. Là, déjà, moi, ça spawnera un petit peu moins. Mais tais-toi, mais arrête, tu me saoules. Non, ouais, ça c'est le genre de truc, mais qui m'énerve. On peut pas savoir à quel point. Allez, ça suffit. On mange un petit coup. On va refaire un chemin, bien évidemment. Ce bloc-là m'énervait. Voilà, comme ça j'ai un sol. Waouh! Alors, on va bien faire ça. Oh. Non mais arrête. Non mais arrête, je t'ai dit. Eh mais on est déjà passé en fait tout à l'heure là-bas. C'est de l'autre côté, d'accord. Ah oui, donc d'où le spawner de squelette, ok. Wow, coucou. Voilà. Ici, y a rien, ça c'est cool. Alors, faudra aller derrière, hein. Faudra vraiment que je visite tout. Sniper, quoi. Toujours des squelettes à deux balles là. Je mange, je pense que mon armure a dû péter. Voilà, il reste plus que le milieu. Faudrait que je fasse un bac pour me la remettre. Je pensais pas qu'elle ferait aussi peu de temps, mais tout ça à cause des squelettes à deux balles là. Ah, c'est pas vrai ça! Oh la vache, bon, je fais demi-tour avant de plus avoir de vie parce que là j'ai vraiment plus rien. D'ailleurs, je vais rentrer par là, ce sera plus simple. Voilà. Enfin, je referme derrière, hein. Je suis pas idiot. Voilà, donc, on va se régénérer un petit peu. Je vais mettre quelques torches quand même, on sait jamais. C'est quoi? C'est des araignées. Oh, il y a un coffre en dessous, par contre, j'ai pas fait gaffe. What? Ah oui, d'accord, faut le péter, on est obligé de le casser. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi pas. Ok, des torches, des cookies, pourquoi pas. C'est pas mal. Je vais le casser d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, je récupère les blocs aussi. Il y aura un trou dans la flotte, évidemment, je suis sûr. Bah, à gagner. Bon, c'est pas grave. Ça fera des blocs supplémentaires. Je remange un petit coup, comme d'habitude. J'éclaire, je regarde comment je suis. Je suis très très mal. J'ai envie de faire un bac, mais c'est peut-être un peu tôt en fait. Parce que sinon, on n'a pas fini. Déjà que c'est compliqué à revenir, alors. Voilà. On a quelque chose là-bas. Non, mais ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre, mais d'où ils sortent tous là? D'où tu sors toi? Normalement, c'est éclairé à fond de ton côté là. Comment t'as pu me retrouver? Le cauchemar, c'est. Je devrais y aller en chauve-souris en fait. J'y vais en chauve-souris, je les tue, puis on n'en parle plus. C'est peut-être plus simple. Non, par contre là, le.
C'est pas vrai, je reviens pas. Voilà, par contre, ma vie, elle gêne moins, quoi. Mais par contre, j'ai plus de problème de flotte, du coup. Là, il y avait un coffre. On va prendre le coffre tant qu'on y est. Et on va faire un bac. Comme ça, je serai tranquille. Après, je sais pas si j'aurai assez pour refaire une armure, mais je pense pas. C'est un bruit que j'aime pas aussi, ça. C'est plop, 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 là. Donc, de la bouffe à mort, c'est génial. J'ai cassé d'ailleurs le coffre aussi. Pas le casser. What the fuck? C'est parce que je dois pas être posé, je pense. Faut que je me pose par terre. Voilà, je l'ai eu. Parfait. Bah, du coup, on va même casser ça pour prendre l'XP, hein. On va se faire un petit bac pour voir ce qu'on peut faire avec le stuff, mais à mon avis, je suis dans la merde en fait, hein, tout simplement. Même si après, ah non, j'ai des niveaux, peut-être que ça peut me régénérer. Est-ce que lui, il avait un coffre en dessous? Eh, il avait un coffre en dessous. What the fuck? What the fuck? J'ai sous l'eau, évidemment. Voilà. Ouais, on va voir ce qu'il y a dedans avant. Des flèches à mort. Ok, donc c'est visiblement en fait ce que donnent les monstres qui étaient devant. Si vous comprenez ce que je dis, il y avait un générateur, donc là, un squelette, donc il y avait des flèches dedans. Tout à l'heure, il y avait un zombie, donc il y avait de la bouffe dedans. Bon, rien à voir, je l'avoue, mais voilà. Non, mais par contre, faut arrêter avec le coffre. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont spéciaux ces coffres? On me tire pas dessus. Non, mais non! Oh là là! Bon, alors, j'en étais où moi? J'en étais à casser ce truc-là. Laissez. Foutez-moi la paix, bordel! Voilà, bon. Je vais remettre ça bien, évidemment, pour pas que ça fasse des trucs bizarres. Comme ceci. Et je fais un bac. Comme ça, au moins, je risque pas de perdre ce que j'ai sur moi. Et je vais regarder si j'ai. Ouais, j'ai plus rien à ce que je me disais. Hein. Il me reste des vieux protections 2. Bon, déjà, je pose ce dont je n'ai plus besoin. Comme ça, je ne serai pas embêté déjà. Voilà. Et il faudrait à la limite faire un. Bah, faut faire un bac, quoi. Simplement. Ou là, je prends des flèches. Je peux faire des arcs en masse en fait là. C'est peut-être pas con ça. On va faire un arc qu'on va enchanter d'ailleurs avec des flèches, comme ça évitera de me faire sniper tout le temps. Alors, déjà, on va commencer par le régénérer. Alors, si on fait ceci, on a ceci. Si on fait ceci, on a ceci. Et si on fait ceci, on a ceci. Bon, je vais prendre celui-là d'abord pour commencer. Je vais prendre un stack, ça devrait suffire. Je vais poser le reste et je vais poser l'autre arc. Ça, voilà. Alors, quel enchantement je vais avoir? Attention, attention. Power 1. Eh ben, c'est très bien. Voilà, tout simplement. Mes épées sont bonnes. Hein, c'est vraiment remède mon fer. Parce que là. Protection 1 et protection 1, quoi. Je peux faire un protection 3, mais. Ouais, mais ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Il faudrait du fer quelque part, en fait, mais je n'ai rien. Faudrait que je retourne à la maison. C'est vraiment les squelettes hein, qui me. J'en reviens pas, j'ai réussi à niquer mon armure comme ça. Y a pas un temple pas loin là, un truc où je pourrais récupérer un petit peu de stuff? Je regarde juste vite fait dans les alentours. Hein. J'ai pas trop aller loin. Y a un biome là-bas. Ouais, non. Rien de spécial, rien de spécial. Bon, tant pis, on va y retourner comme ça. Tant pis pour le fer. Peut-être qu'on en aura sur le chemin. Ça, ce bruit là. Qu'est-ce que c'est que ces blop 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 là? D'où ils sortent les plop 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 plop? Il n'y avait rien dedans. Hein. Il y avait quelque chose, mais en fait, on s'en fout. D'ailleurs, tant que j'y suis ici, là, je vais me remettre déjà en normal parce que là, c'est juste pas jouable. Est-ce que j'ai le poulpe? Parce que si j'ai le poulpe. Non, par contre, là, faut rater. Voilà. Je pourrais peut-être avancer sous l'eau, mais en même temps, je ne sais pas la vie que j'aurai. À essayer, j'ai envie de dire. Mais je pense que me poser les blocs au sol, hein, c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Hein. Donc là, j'attends que ma vie régène un petit peu. Et j'y retourne. Hein. Je sais que c'est un petit peu long pour vous. Je suis désolé. Mais je suis un petit peu obligé de le faire. Sinon, ça le fait pas, quoi. Non, il faut vraiment virer la flotte, quoi. Bon, on va continuer à démonter ça pour l'instant. Ma pioche est à mi-course. J'en ferai une en pierre, hein, si besoin. En pierre, c'est pas cher. Voilà, donc là, il n'y aura plus du tout de.
d'église. Je la démonte. Elle sera en extérieur. Voilà. Mais j'ai vraiment besoin de blocs. Pendant ce temps, ça repop. Hein. J'insiste quand même sur le fait, c'est que voilà, ça repop. Et mon niveau là d'expérience risque de se casser la gueule. Il faudrait vraiment quelque chose de solide en épée. Enfin, pas en épée, en armure en fait. Simplement, il faudrait une armure qui tienne le coup, quoi. Voilà. Alors, pendant que ça fait des dings à l'arrière là, qui me gonflent. Donc je récupère tout ce que j'ai fait tomber, voilà. Je vais même commencer à gruger le sol, hein. Tant pis pour les escaliers, on s'en fout. Voilà. Ça c'est une maison. J'ai même envie juste pour le lol, puisque j'y suis. Voilà. J'en mets une ou deux, histoire de. Ma vie est régène en tout cas. Je peux repartir, mais je pense que je vais faire un bac. Et je le ferai en fait au prochain épisode. Je vais revenir sur place. Comme ça vous évitera de perdre du temps à regarder. Je suis un peu embêté. Je suis vraiment aussi désolé de prendre autant de temps, mais vous l'avez vu, hein, c'est pas facile. Donc là, normalement, ça peut plus spawner. Et j'ai ma petite maison. Ce qui est bien. J'aurais pu déménager tout mon stuff, mais non. Je ne vais pas le faire. Alors, on y retourne. Je vais vider pendant ce temps, évidemment. Vraiment, vraiment tout ce que j'ai en trou. Voilà, les pop-pop-pop là. Plop-plop-plop. Je suis sûr qu'il y en a qui sont revenus juste en dessous là. Je sais pas comment ils auraient réussi, mais. Je suis sûr qu'ils ont réussi. Alors. Voilà, ça par exemple, vous l'avez vu, hein. D'où ils sortent? Voilà. Ah, désolé pour le téléphone si vous l'avez entendu. On m'appelle tout le temps comme ça. Alors, maintenant. Ça c'est fait. Oh! Ah voilà pourquoi ça spawn aussi. Voilà, il n'y a plus. Et pas de coffre. Non, 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 hé, toi le petit là, ouais, tu dégages. Enfin, on va niquer mon armure. Donc, pourquoi il n'y a pas de coffre? Pourquoi il n'y a pas de coffre? Je suis sûr qu'il y a un coffre. Il y a des coffres partout jusque là. Vous n'allez pas me dire que là, il n'y en a pas. Moi je suis deg. J'avais besoin en plus, il faudrait vraiment du fer quoi. Si j'avais du fer, du coup, ce serait parfait quoi. On va remettre comme c'était hein, pour pas. Alors d'ailleurs, on va utiliser ces blocs-là qui m'embêtent. Comme ça, il n'y a plus de courant parce que là, je suis coincé dedans. Et si je suis coincé dedans, c'est que je suis capable de mourir. Voilà, comme ça. Ah, c'est chaud! Donc là, il n'y a plus de squelettes au fond. Il y avait des squelettes tout à l'heure. Ils sont peut-être venus justement me suivre. Comme ça, on est clair. Ça spawn, mais à une vitesse. Je pense qu'en fait, les blocs qui sont au sol là, ça permet de faire spawner les ennemis. Voilà. Je m'en doutais. Non, là par contre, j'ai clamsé. Non! Non! Les enfoirés! Les enfoirés. Alors, du coup, ça tombe bien parce que du coup, j'aurai pas de bac à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rééquiper et puis on ira chercher mon stuff au prochain épisode en espérant qu'il ne despawn pas. Je serai un petit peu dégoûté, mais c'est possible. Diams. Là, elle est pas prête de péter mon armure avec du diams, hein? Alors on va se faire ça ensemble, on croise les doigts pour avoir vraiment du protection partout. Comme ça, je serai juste invincible. Il y a vraiment en plus. Il y a une épée en diams sur place. Le reste est pas trop important. Puisque mon armure elle a dû péter, hein, donc ça c'est réglé. Donc, voyons ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un protection 1, c'est parfait. J'ai. Ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment pas. Projectile protection. Voilà, donc ça c'est parfait.
Et ça, c'est parfait. Donc, faut que je refasse le pantalon. Et puis, faut que j'en fasse des épées aussi. Hein. Enfin, au moins une épée pour pouvoir y aller. Alors, je préfère des protections 2 éventuellement. Mais à fusionner à tous les coups, ça va être un truc de malade. Donc, on va rester. On va tout prendre. Hein. Voilà, on va pas s'embêter. On va voir si on peut faire une Sharpness 2 par exemple. Ça serait bien. Sharpness 2, là, en diams, waouh! Là, ça a tapé. Hein. Ou même une Sharpness 3, soyons fous. Non, je déconne. On va pas aller jusque-là parce que là, les niveaux, ils vont diminuer. Il m'en reste déjà plus beaucoup au final. Ah ouais, en fait, j'ai pas perdu tous mes niveaux d'XP, au fait. Oui, je vois ça. Normalement, j'aurais dû mourir et tout perdre. Je sais pas comment ça se fait que j'en ai paumé que la moitié. Bon. Tant mieux, hein. On va tenter le. Je vais en faire deux. On va tenter. Normalement, c'est quasiment Sharpness 1 à chaque fois. Unbreaking 1, c'est génial. Je dis ça tout de suite après. Tac, vous avez vu, hein, Unbreaking 1. Sharpness 1, voilà. On va s'en refaire une, on sait jamais. Parce que Sharpness 2 en diams, là, on va être tranquille. Hein. Donc, niveau diams, hein, vu que j'avais mon familier qui m'a permis de trouver le diams. Voilà, Sharpness 1, Sharpness 1. On fusionne. Sharpness 1, Sharpness 1, ça coûte 4. Voilà. Donc maintenant il me reste de quoi faire le. Il me manque le pantalon en fait. Et là je serai quasiment invincible. Enfin, pas invincible, mais en tout cas bien protégé, on va dire. Parce que avant que ça lâche en diams. Nom de. Pardon. Moi et la chance, hein, vous savez bien. Voilà. Voilà. Je mets le pantalon. Protection 1, hein, que diable, hein. J'aurais pu fusionner les deux. Bon, je vais les garder, de toute façon il me reste encore beaucoup de diamants. Si besoin se fait de refaire une armure, au moins je pourrais. Et puis là on va retourner en vitesse. Par contre ce que je vais faire c'est je vais... On va faire ça dans la prochaine vidéo. Par contre là je suis déjà... tout ça on va l'enlever, on va dire. Et puis je vais mettre les protections, projectiles protection. Voilà. En plus, mes épées qui sont là sont. Je vérifie bien que j'ai tous mes protections 1. J'ai mes équipes. Alors, faut pas que je regarde là-dedans. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser le temps que je retourne. Ah oui, il y a une Breaking 1 aussi. Moi, c'est combien de niveaux? 2. Ouais, non, c'est mort. C'est dommage parce que j'aurais pu me faire une Unbreaking 1 en Sharpness 2. Là, pour le coup, j'étais. On était bien là, hein, pas de problème. Donc je remets tout. Voilà, je remets mes flèches ici aussi. Voilà, je m'équipe maintenant avec le shift clic droite. Voilà, je reprends un peu de bouffe aussi, hein, parce qu'on était léger. Je vais reprendre le pain qui reste, ça devrait aller. Je mange un petit coup et on va se laisser. Ouais, j'espère que j'aurai assez. Il faut vraiment que je récupère la bouffe qui est sur place. Enfin, je vais en prendre plus. Hein. Je suis pas idiot, je vais en prendre plus. Comme ça, si vraiment j'ai un manque là-bas, encore qu'il y en a plein là-bas. Hein. Ouais, j'en ai stocké plein dans les coffres. Non, non, on va y aller comme ça. On va juste prendre un peu de charbon au cas où. Genre ça. Par sécurité. Et le reste, normalement, on n'a plus besoin parce qu'on est en diams. Donc avant que ça casse en diams, on a le temps, quoi. Et du coup, on verra ça lors de la prochaine vidéo. Si j'arrive à grimper. Excusez-moi. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.